Et bonne année 2020. 2030, abruti. C'est toi qui portes la poisse aux autres, à souhaiter les bonnes années la veille, c'est ça? Voire même un an, 10 ans plus tôt. Hein, voilà. Donc pour la nouvelle année et pour la 100e, puisque c'est la 100e vidéo, ça correspond très bien. Nous avons décidé, enfin, c'est vous qui avez décidé grâce au petit sondage que j'avais mis sur la chaîne, de faire une visite de la gaming room, de notre gaming room. Alors, vous attendez pas à des choses extraordinaires, des collecteurs de folie, tout ça. Hein, vu que nous, notre optique, c'est plus de faire des bonnes affaires que d'acheter des collecteurs à 300 balles. D'accord ? Bon, on visite la gaming room de suite après le générique. Voilà, alors ça c'est la dernière pièce de notre musée, hein, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Mytho. C'est le Super Metroid. Ouais, Mytho. Ça t'a fait que... T'as fait que Super Metroid, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais, on voit que ton bide. Et les figurines Mario. C'est une figurine Mario. Putain, merci. Elle fait 50 cm, on l'a acheté à Jouer Club, c'est une des dernières. Mais ça même, on t'a acheté le Donko Money Boss. T'étais pas avec moi quand on l'a acheté. Si, t'as fait. Après, il y a des bonbons achetés sur internet. Voilà. Différents bonbons là. Une boîte volée à Paris Games Week. J'ai pas volé, j'ai récupéré dans les poubelles. Voilà, alors il y a différents bonbons, on montre un peu ce qu'il y a. Il y a des bonbons. Il y a des Pac-Man. Vite. Oui, je vois. Voilà, bon, on les a tous testés dans une vidéo. Voilà. Par ailleurs. Et là derrière, c'est quoi le Money Box? Money Box Donkey Kong. Oui. Les Mox Donkey Kong, c'est quoi exactement? C'est une tirelire. Ah, c'est une tirelire, vous mettez la pièce et la pièce elle tombe comme dans un niveau de dos. C'est marrant, c'est rigolo. Ok, à côté la lampe, appuie dessus. Putain, on voit ton cul là. La lampe. C'est vraiment un idiot, c'est vraiment un idiot. Appuie dessus. Voilà, super. T'as gagné une vie. Là à côté il y a un petit pixel art. Voilà, c'est la vie, c'est... Ok, et là dans le coin, qu'est-ce qu'il y a? Un petit peluche. Il y a différentes peluches. Là, il y a Pac-Man. Alors, de Pac-Man, ouais, Megaman, qu'on a ramené des États-Unis. Un petit Ken, enfin un grand Ken, qu'on a trouvé sur ses discounts. Tu vas pas faire sur des peluches, hein? Ouais, voilà. Enfin, et après, en bas, il y a des mugs. Et en bas, il y a des mugs. Film, il y a en bas, il y a des mugs. Et il y a des Donkey Kong. Oui, et dans le sac bleu, là, qu'il y a là au milieu. Ouais, bien, le montrer avec le pied, c'est bien, bravo. C'est donc les congas qu'on utilise donc sur les journées rétro gaming. Là par là, bon, c'est un peu dans l'armoire, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de recul parce qu'il y a le lit. Ouais, on voit là. Donc là, voilà, on range un peu les volants là-dedans. Bon, il y a la boîte du collecteur Far Cry, mais en fait, il y a des notices dedans. Là aussi, il y a des notices de console, tout ça. Je vous montre pas le détail. Non, on s'en fout. Hein, voilà. Bon, après, il y a plein d'accessoires, des volants. Mystery Box, Mystery. Des jeux de société. Non, déjà, là, ça, c'est la Mystery Box qu'on a ramené de Japan Expo. Là, vous avez... Non, c'est Paris Games Week. Énormément, oui, de Paris Games Week. Ferme ta gueule. Là, vous avez toutes les boîtes en loose de DS. Ouais. Hein, donc, pas intéressant à vous montrer. On fera un jour une vidéo sur tout ce qu'on a en loose pour des échanges ou des complétages. Des complétations. Complétations. Alors là, vous avez la VR, c'est quoi ça? C'est la société. Non, mais là. Nintendo Labo. Nintendo Labo, chinois la VR. Et pas chinois. Les chinois, ils sont là, les rouges là. Ça, c'est nos Monopoly. Ça, c'est les jeux de société. Voilà, les jeux de société, vous avez un puzzle qu'on n'a pas fait. Les GPC après. Merci, Anta. Des anciens jeux PC comme Final Fantasy. FIFA 2000. Alors, c'est des jeux PC en big box. En fait, comme c'est un peu plus rare maintenant que de trouver ça sur les vides greniers, tout ça, c'est vraiment compliqué. Donc, vous avez quelques titres sympas, Days of the Tentacle, Star Wars Rebel Assault. Warcraft. Ouais, et il y a toute une collection de Tomb Raider et une collection de Warcraft, hein, que m'a donné mon ami Marco Biancarelli.
Hop, voilà, donc il m'a donné pas mal de Warcraft et des petits compléments, tout ça, de Warcraft. Qui sert à rien. Un gunshot. C'est toi qui sert à rien. Et un gunshot. Une affiche. Ouais, ça doit bien cette affiche. Ouais. Non. Internet. Ah non, eh ben non. Du Mexique. Elle vient de. Non, elle vient de Belgique. Il y a la PlayStation VR, la boîte. Bien, appuie sur le câble, tiens raison, voilà, hey, tout bascule. C'est pas moi, c'est le truc qui est tombé. Sors-moi de là, sors-moi de là. J'arrive pas à ouvrir. Donc là, ici, là on entrepose un petit peu tout ce qu'on a en surplus. Là tu vois quelque chose ou tu me fais ma gueule? Bon là tu vois tous les accessoires, oui. Ça c'est une ouille rouge qu'on doit réparer. Ouais. Donc là tu as les accessoires, oui. Là, on va dire ouais. C'est les accessoires non de portable. PSP. Ah, je sais pas si tu vois. Ouais. C'est quoi ça? Pour la PSP. Ça, c'est des PS2. Stupide idiot. Ah oui, il y a une PS1. Voilà. C'est pas une PS1, c'est une PS1, c'est pas pareil. De cette petite PS2 Silver, on a deux manettes en plus, on a réussi à récupérer. Je les ai pas eu tout ça, j'ai rien eu au même endroit. Donc là, j'ai mes alim PS2 et deux PS2 Slim. Les alim, alors ça, c'est un câble mais de PlayStation rose, mais je l'ai pas. Ok, j'ai pas la PlayStation rose. Bon, là, si tu veux voir, il y a des consoles, on va dire en loose, mais j'ai tous les câbles ailleurs. Donc, il me reste une Mega Drive. Ta gueule. Nintendo 64 par exemple. Là je sais pas si tu vois, il y a là une PS3. Oui, très bien. PS3 60 Go, la fameuse rétrocompatible. Wow. Ok, voilà, c'est bien d'avoir tiré sur le câble lieu de l'accompagner. Mais je tire sur le câble. Tais-toi. Bon là je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en fait. Bon, après, c'est là que j'entrepose tous les petits gadgets, on va dire, c'est la cave à gadgets, là, voilà. Oh, il y a encore une PS5 qui traîne, là. C'est mal rangé, ouais. Pourquoi tu ranges pas, alors? J'ai pas le temps. Voilà, et ben personne n'a le temps, sache-le. Game alors, le problème, c'est que, voilà, le Game Child, voilà, il y a tous les gadgets, tout ce que vous voyez des fois dans les vidéos, tout ce qu'on arrive à rentrer, que je sais pas où ranger, des fois, je les range là. Alors, ce que je veux expliquer, Monte ma gueule. Ah ouais, c'est fort le truc. Ce que je veux expliquer surtout, c'est que bon, dans ce gaming room. Monte ta gueule. Tu me vois? Ouais, c'est moi. T'as viens aussi dans la vidéo. Alors. Non, ce qu'il faut expliquer surtout, c'est que dans ce gaming room, on n'y vit pas en permanence. Alors, ça, c'est la chambre de mon petit frère, on est chez mes parents. Et donc je l'ai réhabilité en gaming room. Donc mais mon frère quand il revient en vacances, donc voilà, il découvre à chaque fois les nouveautés qui encombrent sa chambre. Et ici, moi, je ne passe en moyenne qu'une heure par semaine, faut savoir. Mito. Donc mytho, allez, une heure et demie. Non, 2 heures. 2 heures, allez si tu veux, 2 heures. C'est énorme, 2 heures par semaine. Donc c'est pour ça que j'ai pas le temps de ranger, parce que toi tu ranges jamais hein, non plus. Ah si. Ah si. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as rangé une fois ici? Je te citer. Ouais mon cul ouais. C'est moi qui fais le puzzle Metroid. Ah oui, trop bien. Figurine Mortal Kombat X c'est super toi. Rare. Alors c'est pas une figurine, c'est quasiment une statuette. Voilà. C'est drôle, ouais, c'est drôle ta connerie, c'est tellement drôle ta connerie. Donc voilà, une statuette là que m'a offerte Yanis. Derrière vous avez toute notre collection d'amiibo. Ah, ça c'est une Megaman qu'on a ramené. Aux États-Unis. Oui, des États-Unis, heureusement que t'es là pour le dire. Alors voilà, tout ça c'est nos amis beaux. C'est pas nos amis, hein. Ils sont pas beaux. Voilà, bon, il y a aussi d'autres figurines World of Nintendo. Et là, ce truc qui gêne, c'est l'épée de Link. De l'épée. Voilà, parce qu'on a un grand Link aussi de 50 cm. 78. Voilà, là derrière vous voyez nos autres amiibo ou non amiibo, hein, y a des figurines qui sont pas des amiibo. Ouais, comme Crash Bandicoot. Là vous avez, alors on m'avait demandé hein, de faire les figurines en détail, alors je vais pas les détailler une par une, mais vous pouvez les voir là. Ce sont les figurines Street Fighter de la collection Altaïa. Blanca. Hein.
Captain Bison. Monsieur Bison, idiot. Bison, c'est vite. Donc voilà, donc elles sont pas mal hein, quand on les regarde de près, oui, bon, elles sont bien finies, elles sont bien peintes, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est cher parce que c'est, ouais, franchement, là ils arrêtent pas d'augmenter les tarifs, hein, c'est quand même dommage parce que bon, elles sont quand même bien foutues. Et on attend toujours les cadeaux bonus hein, qu'ils nous promettent depuis Belle Lurette, on les attend toujours. Alors derrière, si vous regardez bien, là j'aime bien cet amiibo là de Zelda enfant. Hein? Alors ça, c'est une figurine de Lapin Crétin. Et là derrière, je sais pas, on n'arrive pas à la voir, mais il y a aussi... C'est Link. Ouais, il y a une figurine de Link derrière. Et de Kirby. Qui est vraiment sympa. Il y a le monsieur Kirby. On va pas faire de dépôt Kirby, s'il te plaît. Alors, là, vous avez d'autres figurines. Ouais, Sonic, c'était pas Sonic, là, Shadow the Hedgehog. Ouais, voilà, c'était le Sonic méchant. Bah, y a Super Saiyan. Voilà, Son Goku en Super Saiyan. Bon, ça a un petit peu bougé, là, parce que tout à l'heure, c'est tombé quand j'ai voulu ranger. Et les petites figurines. Voilà, il y a des petites figurines, il y a un peu de tout. Trouvé au fil des vide-greniers, tout ça. Pour acheter. Voilà, ça, c'est... Un amiibo. Skylanders. Exactement. Voilà. Avec Skylanders derrière. Là, ouais, si vous regardez bien, il y a quelques petits Skylanders de Spyro. Notamment. On dit Spyro, on est en France. Ouais, comment tu dirais, Katia? Spyro. Voilà, bon, derrière des figurines World of Nintendo, la dorée m'a été offerte par Julien. Bravo, ouais, Nastaroth. Exactement. Alors ça, c'est ça. C'est Bou. C'est Bou. Et là, vous avez la petite carapace. C'est des anti-stress, c'est des balles anti-stress. Pourquoi tu stresses ? Voilà. Donc maintenant, on va passer au jeu à proprement. Bon, malheureusement, on manque énormément d'espace, donc tout est rangé à chaque fois. Par-dessus. Pas par-dessus, comment tu dis, en profondeur. C'est pas deux étages, c'est en profondeur. Vas-y, dis. En profondeur. Non, mais pas ça, tu vois, tu sais pas. Tu sais pas parler français, toi non plus. Tu parles pour rien dire. Donc derrière, voilà, il y a deux rangées. Ouais, deux rangées. Donc si vous voulez voir, voilà, ça c'est nos jeux Mega Drive. Et Master System. Là, tu vois ça, ouais. C'est bon, tu as vu. Voilà, donc ça, le reste. En chinois. C'est pas en chinois, c'est en japonais. On n'a pas de jeu chinois ici, tu as compris. La GameCube, c'est pas chinois. C'est toi. Ça, c'est les jeux Saturn. Donc ça, là, vous avez voilà, nos jeux. On en a pas beaucoup, mais bon, quand même de la qualité, hein, au niveau de la Master System. Donc, quand même, putain, j'ai pas de place. Plus je suis pas aidé par l'autre derrière là qui sert à rien avec ses mains dans les poches. Donc voilà, là j'ai mis les bleus, hein. Il y a le Sonic et Knuckles qui est un petit peu abîmé, hein, Mega Man, Street of Rage, Echo le Dauphin, Earthworm Jim. Là vous avez quelques jeux, bon, des jeux de basket en japonais. Il dit que des bêtises, ferme-la, ouais, c'est toi qui dis des conneries, oui. Tu dis que les autres disent des bêtises, mais tu dis rien. Tu dis trois mots par heure pour dire eux. Japon. Les jeux en loose, hein, que j'ai mis dans des petites pochettes de protection. Là, vous avez encore quelques jeux. Là. Celui-là, c'est celui qu'on avait d'époque, hein, le Street Fighter 2 Special Champion Edition. On manque les Sonic, Hulk, les compilations Mega Games, Dragon Ball, l'appel du destin. Merx. Merci. Toi aussi t'es Merx. Moi c'est. Alors, ça c'était comme ça. Ça t'es au-dessus. Donc voilà, bon, ça c'était pour les Mega Drive et les Master System. Donc un étage plus bas, on a les Dreamcast ici. Pour rester dans le Sega. D-O-E. Alors pas grand chose, les Dora Life, Crazy Taxi, Sonic the Hedgehog. Adventure, non, Tomb Raider, Metropolis, Quake 3, Virtua Fighter. Alors j'ai fait exprès de parler vite pour pas que tu en places une, mais tu arrives quand même à dire de conneries. Hein. Tiens ça. Alors là, vous avez mes jeux PlayStation 1. Donc là, c'est les derniers qui sont rentrés.
enfin quoi que, non, il y a pas que les derniers qui sont rentrés là. Il y a Rival School, NBA Jam, Soul Blade. Bon, Coupe du Monde, on s'en fout. Parasite Eve, alors j'ai deux Parasite Eve, hein, qui sont sympas quand même. Parasite Eve 2 qui est sorti en Europe, et le 1 n'était pas sorti en Europe. Mais là, c'est la version NTSC que nous avons, américaine. Voilà, tiens ça. Je fais pas ton porte-manteau. Là, la Game Gear, là, vous la voyez. La Game Gear, ferme ta gueule. Ouais. Avec Sonic, jeu de foot, Shinobi. Donc du coup, comme ça, on peut voir. Pousse-toi un peu, pousse-toi un peu, pousse-toi un peu. Si je me pousse, je fais tout tomber. Non, tu fais pas tout tomber. Reviens là, où tu vas. Imagine on va aller là-bas. Non, on va pas là-bas, je vais pour poser les trucs. Là, est-ce que tu vois là? Là, ça c'est important ça. Les Megaman X. Ouais, ça c'est chaud à trouver ça. Megaman X, le Street Fighter Collection, ça aussi j'en suis fier. Alors j'ai trois jeux en japonais, j'ai le seul jeu en japonais. Bomberman, Kai Grand Prix. Pourquoi tu rigoles? Alors ça c'est un jeu marrant, ça. Hugo Délire, Maudit Diamant Noir. Donc là, on a les Bust Move. Enfin, on va dire cet étage-là, c'est mes jeux préférés. Voilà, ils sont là. Colony Wars, les jeux NBA Live. Alors, c'était des jeux de basket vraiment géniaux. Il y a tous les Final Fantasy qui sont là. Alors j'ai deux éditions du set. Le set normal et le set en platinum. La Coupe Borders 2, Tomb Raider, il me manque le Tomb Raider, je l'ai pas. Ouais. Resident Evil, Doom, X-Files, Tekken 2, Metal Gear. Là en dessous, bon, Livre de la Jungle, ça c'est des Platinum aussi. Crash Bash, c'est dur ou quoi, Antoine? Tu veux que je filme? Non, c'est bon, en fait, j'aime bien. Les Wing Commander, alors ça aussi c'est pas courant. Bon, les Wing Commander. Bon, c'est des jeux surtout sur PC. Voilà. T'aurais pu le poser et attendre après qu'on demande. Ouais, je sais pas si vous reconnaissez, c'est Mark Hamill. Je connais pas. Ouais, Star Wars. Excusez-moi, Star Wars, c'est juste Mark Hamill quoi. Ouais, Discworld, c'est un jeu sympa aussi, j'aime bien. Rock'n'Roll Racing 2, là, qui est là. Il a fait le Ape Escape et pas mal. Ouais, le jeu Space Jam, j'avais rentré cette année. Allez, ça, on va le poser. Ça te fait pas mal, c'est bon? Notice. Bon, Notice, bon là, il y a des jeux PS2 là, qui traînent. En fait, voilà, je continue la PS1 là, mais il commence à y avoir de la PS2. Alors ça, en plus, dans cette boîte, bon, c'est marrant, hein, des télécartes hein, qu'on trouve des fois dans... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, satellite. La boutique parisienne. Ça c'est le CD de Killer Instinct, CD audio que j'ai gardé depuis l'époque. Hein. CD de démonstration de la PS2. Et là vous avez pas mal de... Pourquoi tu rigoles? Je comprends pas. Des BO. Des BO, des démos. Tout ça c'est ce qu'on avait eu à Medieval. Oh oui, démos de très très bien, Legacy of Kain. Le remasterisé en PS4. Exact. Donc il y a beaucoup de CD, de démos, de musique, tout ça. J'ai tout gardé. Mmh. Hein, on les avait avec les magazines de l'époque. Mais bon, voilà. Je suis peut-être un peu rentré dans les détails, c'est peut-être un peu long, mais tant pis. Ça c'est quoi ça? Need for Speed sur PS2. Ça c'est... en fait, ça c'est les jeux pour la presse, les press kits. C'est rare. C'est pas spécialement rare, mais voilà, c'est pas courant non plus, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Ça c'est NBA In The Zone en version américaine. Vous voyez, avec le beau boîtier. J'ai ramené des États-Unis. Donc ça c'est la boîte de Stennis, Field Sport Tennis sur Atari. Atari, vous la verrez un petit peu plus tard.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Beaucoup de jeux de conneries. Hein. Là, bon, c'est pas forcément les meilleurs. Bon, il y a un Space Invader là au milieu de tout ça, quand même. En collection légende. Donc, c'est un Space Invader adapté. Hop, tiens ça. Ouais. Okay. Là, je sais pas si tu arrives à voir. Là, c'est un double James Bond. Il y a deux jeux de James Bond. Et le reflet avec ce truc. Ah ouais? Il y a un petit peu de reflet. Ouais, il y a beaucoup de reflets. Là, non, pas sur ça, mais genre là, les yeux qui sont là. Alors, on n'arrive pas à lire. Ça, du mal. Ouais. Non, on n'arrive pas à lire. Ouais. Donc là, tu as du Power Rangers, Lucky Luke, Monopoly, E.T., extraterrestre. Bon, là, on va dire c'est les seconds couteaux. Hein. Les meilleurs jeux étaient en haut. Tunnel B1, The Winch. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça c'est une petite pochette PlayStation où je mets des démos dedans, essentiellement des démos. Voilà. Alors ça c'est les jeux PS2, un jeu Kamen Rider, un Star Ocean, hein, l'édition américaine, ça c'est en édition japonaise. Là ici, c'est deux jeux en édition japonaise, vous avez un Rockman 7, donc Mega Man 7, et un Mega Man Anniversary Collection. Il n'y a pas trop de reflets, ça va? Non. Donc j'ai toujours pas ouvert, je le garde sous blister, mais bon, ça lui apporte pas beaucoup de valeur, hein. Celui-là, il est pas hyper recherché, il est facile à trouver, hein. Surtout qu'il est en version NTSC, mais c'est que j'ai jamais encore eu l'occasion d'y jouer, mais apparemment, voilà, il y a tous les premiers Megaman, on va dire, qui sont jouables. Megaman X8, hein, qui est aussi sous son blister, il est pas extraordinaire. Les Guilty Gear, ça j'aime bien, ça c'est des jeux de baston, donc Guilty Gear 2, X2, pardon. Et X3, Soul Calibur 3, ça j'aime bien la série Soul Calibur. Bon, ça, parce que j'adore ACDC. Rock Band ACDC, ça j'aimerais bien le faire un jour, hein, Rock Band, sur une journée rétro gaming. Allez, on va se baisser encore un petit peu, non? Je vais y arriver. Alors là, attends, je vais les mettre en haut et on va les regarder. Là, c'est les PS2, je pense que c'est les jeux que j'ai le plus en nombre. Tu peux reculer un peu, tu es vraiment prêt. Hein. Recule. Un petit peu de pistolet. Ouais, je pense qu'ils arrivent à lire hein, quand même. C'est pas trop près, là, ça sert à rien. Ouais, montre un peu, voilà, on est ensemble. Sonic Heroes, Just Cause, S-Combat, qu'est-ce qu'il y a? Terminator 3, Harry Potter. Ouais, j'ai pas les écritures, moi. C'est pas grave, si toi t'y arrives pas, ils arriveront sur leur écran, d'accord, putain. Tekken 5, Men in Black, Resident Evil Code Veronica, après c'est des jeux de voiture, bon, on s'en fout, High School Musical, on s'en fout, Arnaud Clément, on s'en fout. Hop, deuxième pile. On a du Metal Gear, des jeux de voiture, ouais, qu'est-ce qu'il y a de super génial là, rien. Tintin, Tetris, ouais, Tetris, ouais. Et Matrix, c'est un peu. Ouais, c'est pas un jeu non plus extraordinaire. Sims. Oh putain, ça glisse. Là, c'est compliqué, hein. On n'a pas beaucoup de place là. La chambre est très petite et les étagères sont vite encombrées quoi. Donc voilà, vous avez des Need for Speed, des jeux Shrek, des jeux à la con. Bon baiser de Russie, 007, hein, petit clin d'œil. Un autre ami de Calvi, hein, Paul François de Calvi. Enfin voilà, beaucoup de jeux PS2. Oh, celui-là j'aime bien parce qu'il y a le package. Voilà, comme ça, en fou gros, comme ça, Monstre et Compagnie. J'aime bien, c'est pas courant non plus. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on peut remonter tout ça pour voir un peu ce qu'il y a là. Alors, c'est des jeux iToy, les Indescriptibles, le Pôle Express. Après, beaucoup de jeux, comme vous voyez, il y a encore les blisters dessus. Ouais, c'est pas des jeux extraordinaires, donc je les ai ramenés de Paris, mais juste pas extraordinaire. Pétanque. Ouais, jeu de pétanque, bon, j'ai pris pour la déconne. Il y a celui-là qui est recherché quand même. Voilà. J'ai toujours pas joué, bon, petit clin d'œil, mon ami Hubert qui me l'avait offert,
Alors celui-là, un King of Fighters aussi, c'est sympa, King of Fighters Maximum Impact. C'était le premier King of Fighters en 3D en fait. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Jeu SNK, moi qui suis pas pro 3D, hein, il est pas trop mauvais non plus. Pour ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, 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 là je sais pas si tu as vu, là, là c'est intéressant. Il est... Dragon Ball et japonais. Ouais, les trucs japonais, ouais. Alors ça, je le mets en bas. Non, je vois pas en fait, je vois pas les aider. C'est pour ça que j'ai le style de les prendre. Ouais, bon là c'est bon, je les vois. Ouais. Ah, Wipeout Fusion, pas de la merde non plus. Alors un Sensei Hades, je sais que j'avais l'autre, je sais pas où il est. Alors des Naruto, Ultimate Ninja, on le tue, en voilà. J'ai les trois, plus un en japonais. Ça c'est quoi, Kamen Rider Raizu. 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 Ah, le jeu XOR. Hein. Avec Ucho Keiji Damashi, The Special Spirits. Avec les vraies voix des personnages. Et les autres. Et les Dragon Ball Budokai. Dragon Ball Z. Dido Revive. Dido Revive. Un Jack and Dexter. Donc voilà, il y a quand même quelques bons jeux sympas. J'avais un autre. Hein, j'avais un autre jeu Senseiya, je crois. Hein. Je sais pas si tu... Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a, on a Astro Boy, tiens, qui est pas mal. C'est moi. Bon, mieux que ce soit toi. Ah, il y a quand même un Ghostbusters dessus. Alors, Ghostbusters qu'on a rentré aussi sur PS4. Là, il y a quand même de bons jeux. Quand même. Prince of Persia. Bunkle, Robotech. Bloc. Seigneur des Anneaux, bof. Seigneur des Anneaux, bof. Seigneur des Anneaux, encore bof. Turok Evolution, bof. Inspector Gadget. Legacy of Kain, Hulk. Bon, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'âge de glace. Lara Croft, Tomb Raider. Bon, après, il y a encore tout l'étage en dessous. Où il y a deux rangées aussi de jeux PS2. Alors, j'en ai trop. Bon, PS2, on laisse tomber. Tu veux du boud? C'est comme ça, oui. Tu te... bon, tu tiens le coup. Mm-hmm. Ça enregistre toujours? Ouais. On va commencer par en bas, on remonte petit à petit. Ouais, c'est plastique, là. Alors là, on a les jeux DS en boîte. Bon, un petit peu de tout. Puis il y en a derrière, évidemment. Ça, c'est les jeux 3DS. En boîte, il y a même des jeux blister dans le cas, dans le tas, pardon. Dans les blisters, il y a Super Mario 3D Land, Star Fox 64. Il y a aussi Sega 3D Classic Collection. Ça, j'ai jamais essayé. J'ai toujours voulu essayer, mais j'ai jamais eu l'occasion. Donkey Country Returns. Tu vois, celui-là, j'ai toujours voulu essayer. Il y a des jeux genre Altered Beast, Sonic Hedgehog qui sont en 3D. Faudrait que j'essaye. Galaxy Force. Je sais, c'est mal rangé. Je sais. Là, vous avez les rares jeux en boîte que j'ai pas tant que ça. Super R-Type, Mortal Kombat 2 sur SNES, Super Aleste et Actraiser. En fait, j'ai que les boîtes. NBA Live 95, NBA Live 2000, là c'est sur Nintendo 64. Et ça c'est deux jeux Nintendo 64 en japonais. C'est un jeu de golf et un jeu de snowboard. Senseiya, ça c'est sur Famicom. Ça c'est Yoshi Cookie, je crois. Non, c'est pas Yoshi Cookie, je sais plus ce que c'est. Yoshi, oui. Yoshi, voilà, ouais. Alors le Donkey Kong Country, donc en jap complet. Le jeu Dogs sur Game Boy Advance qu'on plaît aussi, quelques jeux Game Boy comme Desert Strike qui sont Mint, Alexandre Mint de chez Mint. Ah, ça leur plaît au. Hein, viens. T'allais dire au gamin. Oui, ça plaît aussi au gamin. Regardez, ils sont en état impeccable. Bon, surtout que j'ai mis la truc autour, ils sont vraiment mint. Impeccable, c'est génial.
Et qui les a mis? C'est grâce à toi, alors s'ils sont mint. Hein. Il y a un Star Wars et un Stargate aussi qui sont sympas. Je vais pas vous les sortir. Voilà. J'ai pas tant de jeux en boîte que ça, hein, comme j'expliquais. Moi, ce que je privilégie, c'est surtout les bonnes affaires ou l'échange. Je suis pas prêt, pas encore en tout cas, à mettre 100 balles dans un jeu. Dépend. Ah non, je te jure, ça dépend pas. Là, à part un jeu Neo Geo, je vois pas dans quoi je peux mettre 100 balles. Donc les jeux SNES, beaucoup de SNES en loose. Hein, Killer Instinct, Super Mario World, Actraiser 2, Starwing, F-Zero, Michael Jordan, Windy City, Sin City, Street Fighter 2 en Jap. Ah oui, je peux jouer en Jap comme j'ai la console modifiée. Final Fight 2, Super AirType, dont j'ai la boîte. Vas-y, on fait celui-là. Rival Turf, tu l'as eu, Super AirType? Ouais, c'est bon. Ouais. Ensuite, bon, là, je pense que j'ai classé plutôt les jeux de sport, donc. Ok, voilà. Chaque fou. Super Soccer, on a passé de très très bons moments sur Super Soccer. ISS, un des premiers ISS, je pense que c'est même le premier. Basketball, ça c'était un des premiers jeux de basket en 3D. Vraiment génial. NBA All Star Challenge, Tecmo Super Basketball, Jimmy Connors. Un grand joueur de tennis. Super Off-Road, ça c'est pas mal aussi, on pouvait jouer jusqu'à 4. Hein, c'était un jeu de course. De voiture, enfin de pick-up, Best of the Best, jeu de karaté, Super Street Fighter Turbo, enfin Street Fighter de Turbo, FIFA 98, alors celui-là l'originalité c'est que l'étiquette est à l'envers, hein, c'est son côté collector, R-Type en japonais, il est vraiment pas mal celui-là. Alors Super Protector, un de mes jeux favoris sur Super NES. Ça c'est Castlevania en Jap, Mortal Kombat 2 dont j'ai la boîte, vous avez vu, je l'ai en complet, Ranma 1/2 et la trilogie Star Wars, ah. Et un Street Fighter en américain également, j'aime bien les Street Fighter. Là ici, ah, vous avez les deux gobelets collector de Nostral Gaming, Isola Game Fest, voilà, c'était le festival qu'ils avaient organisé. Alors mes Game Boy, vous en avez une rouge, une turquoise, c'est les Game Boy Color. Là, l'original, la première, la Game Boy grise classique. Là, ouais, c'est un petit peu mal rangé, je sais, avec la petite caméra, là, comme vous voyez. Hein, la Game Boy Caméra. La Game Boy Advance SP, la première rétro-éclairée. Voilà, avec une compilation de jeux Sega dessus. Ici, dans cette petite armoire secrète, bon, c'est un peu le bordel, mais c'est normal. Il y a mes jeux DS en loose. Oh, je vais pas vous montrer le détail. Il y a des DS. Ça, c'est même une 3DS, il me semble, non, celle-là? Non, c'est une DS. C'est une DS. Elle est où la 3DS, alors? Ah, d'accord, elle est pas rendue. Là, il y a des joysticks. Ça, c'est ouais, la VR de chez Tommy, Airzone. Enfin, c'est pas vraiment de la VR. C'est en fait. Dans les yeux. Ouais, c'est un truc qui fait un peu mal aux yeux. Ouais. En fait, c'est tout rouge, voilà. C'est tout rouge à l'intérieur. Non, il n'y a pas. Oui, je crois. Ouais. Bref. Ah, c'est une autre Game Boy. Hop, turquoise. Enfin, voilà. Eh, mais si tu me touches, ça bouge le truc. Hein. Bon, là, il y a des housses un peu spéciales. Il y a des jouets que j'ai. Il y a plein de jouets comme ça, là. Et je sais plus où les mettre. Ça prend tellement de place là-haut. Voilà, il y a plein de petites figurines encore. Ok, voilà. Là, c'est le tiroir à jeux Game Boy et Game Boy Advance. Voilà, je vais pas vous montrer le détail, mais j'en ai pas beaucoup. C'est pas ouf la quantité. Ça c'est des petits bacs que j'ai acheté à Jiffy, hein, et ça je les ai commandés sur internet, les petits autocollants. Ça rend de bons services, on va dire.
Bon là c'est un petit gobelet Super Mario fourre-tout avec des stylos, des porte-clés et des bêtises. Et ensuite on arrive à un étage intéressant, l'étage de la NES, les jeux NES. Alors bon, vous avez le Game & Watch Donkey Kong qui fonctionne, hein, c'est juste qu'il n'y a pas de pile. Une DS blanche, en fait je les mettais à côté pour pouvoir faire le comparatif. Tu vois, c'est quand même flagrant, ouais. Quand même flagrant que voilà. La DS est quand même un retour aux sources, quoi. Un retour aux fondamentaux. Ça, c'est les autocollants qu'on avait eu dans les chocolats. On en a trop. Donc là, tu y es là. Ouais. Dragon Ninja, Magic Johnson Fast Break. Mais ça, c'est les versions américaines. Il n'était pas sorti en France. C'était le premier jeu. Ramasse Alexandre, s'il te plaît. Le premier jeu à 4. Premier jeu de basket à 4. Bon, après, je vais vous dire, en fait, c'est du 2 contre 2. Donne, ça c'est. Ah, ouais, c'est le. L'autographe de Marcus, hein, pour Charlie, de Games 2A TV. Voilà. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi. Là, mon ami Wawa, qui m'a fait une petite dédicace. Je fais des trucs de t-shirt, je crois. De manettes, ah c'est fou là, c'est bien ça, on voit un peu toutes les couleurs des manettes transparentes là. Mmh. Tain, si un jour j'arrive à avoir tout ça, sachez que je n'ai rien de tout ça. Si j'ai le Rumble Pack et le pack extension, c'est tout. Ça sert à rien. Walk Up, hein, le jeu de foot mythique de cette console quand même. Qui pourrait se jouer à 4 aussi si vous aviez le multitap. DuckTales. Iron Sword, double dribble, le fameux Tortue Ninja, très très dur. Alors Mega Man, c'est le seul que j'ai mis sous plastique. Quoi ? Parce que c'est le premier jeu qu'on a acheté, et on l'a jamais donné, on s'en est jamais séparé. Et c'est le nôtre, ça. Ça, c'était notre premier jeu NES qu'on a acheté nous-mêmes, quoi. Et c'est un jeu exceptionnel qui a marqué l'histoire, et on a eu du flair de l'acheter. Enfin, surtout mon frère qui a eu le flair de l'acheter, quoi, à une époque où c'était pas connu du tout. C'est le premier Megaman de l'histoire, et quand on connaît le prix des jeux Megaman maintenant, voilà. 2€. Megaman 3, ça aussi c'est celui qu'on a d'époque, je l'ai complet avec la boîte, vous avez sa boîte ici. Robocop, Gremlins 2, Robocop je l'ai en complet aussi avec la boîte. Batman. Spy vs Spy, complet en boîte, non pas complet, je crois il manque la notice, Section Z, Goonies 2, Captain Skywalker, Tiger, Ellie, Wizard and Warrior 3, du coup j'ai le 1, le 2 et le 3, les Chevaliers Zodiac est un jeu minable, Super Mario Bros. Duck Hunt, le fameux on va dire, celui qui est vendu avec le pistolet, exactement, Soccer, le jeu de foot de base, mais qui était pas terrible, To The Earth, ça c'est un jeu au pistolet vraiment sympa, Wizard and Warrior, jeu mythique, et je comprends pas qu'ils aient pas continué la saga que j'ai en boîte, là vous voyez la boîte, je comprends pas qu'ils aient pas continué cette saga qui était vraiment géniale. Shadowgate, vraiment un très très bon jeu d'aventure, enfin d'aventure, c'est du click and je sais pas quoi là, click and play là, mais c'est vraiment pas mal, c'était un jeu qui était plus, on va dire, qui aurait été plus adapté à un PC, à un ordinateur, mais je trouve que ça a bien marché quand même sur la NES. Le concept était vraiment sympa. Mission Impossible, Russian Attack, Tetris, le grand classique. Digger, Boy and His Blob, Mega Man 2. Et ça, c'est une compilation chinoise. Ces deux-là, ce sont deux jeux chinois. Ok. Et en boîte, là, vous avez les boîtes des différents jeux qui sont là. Voilà, enfin, les rares jeux que j'ai en boîte. Donc, ça fait même pas une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quand même. 12. Non, j'ai rien à dire. Ok, pour la NES, c'est bon. Allez, on va passer. La Super NES. Non, la Super NES, c'est fait. Okay. Bon, ça, c'est des petits trucs. Alors, ça, j'aime bien le. Je vais vous le montrer. C'est un petit. Ah, oui, ça, c'est des trucs. Ça aussi, regarde-le. Il est pas là. Alors ça, j'y attache une sacrée importance, c'est que c'était l'époque où on était abonné au club Nintendo. Voilà, c'était des courriers qu'on avait reçus. Attention, ne montre pas l'adresse. Hop, je vous cache. Hein. Hop, un cher membre du club Nintendo, le cadeau de Noël. De toute façon, je flouterai si on voit l'adresse.
Et ça, c'est la garantie de notre Super Nintendo de l'époque. Ça, je l'ai gardé. Il est toujours dans le club. La récré jouée. La récré jouée, hein, qui est devenue maintenant jouer club. Non, jouer club. Voilà, on l'avait acheté le 11 juillet 92. Vous vous rendez compte, on s'était acheté la Super Nintendo avec Super Mario World juste en début d'été, je vous raconte pas. Ça doit être sûrement le meilleur été que j'ai passé dans ma vie, quoi. Oh, le minable. Tu ne donnes pas des joueurs. En été, j'en avais rien à foutre. Toi, tu en fais, toi. Oui. Ouais, mais je trouve pas le plus fantastique, on l'a fait, en fait. Oui, mais c'est pas adapté à ce que tu crois. Bon, allez. Tiens. Pose-les là-bas. Pose-les là-bas. Je peux pas les ranger. GameCube. Alors, attends, parce que là, c'est tout mélangé, évidemment. Hein ? Il n'y a pas de place aussi. Mais non, il n'y a pas de place. Bon, sinon, pour se débarrasser, on va voir les Wii U avant la GameCube. Je sais que je respecte pas l'ordre chronologique. Alors, Wii U, celui-là, génial, qui était dispo seulement en démat en France. Je l'avais acheté aux États-Unis, du coup, pour 14 euros. C'est un NES Remix Pack. Donc, avec plein d'anciens jeunesse. Tekken Tag Tournament. Hop, alors Breath of the Wild sur Wii U, le dernier jeu Wii U sorti, hein, que j'avais eu à moins de 30 euros hein, sur ces discounts. Je le garde en blister celui-là, si jamais, pour la collection, comme on l'a aussi sur Switch. Voilà, on s'en fout. Paper Mario sur Wii U, Mario Party 10, Skylanders, Just Dance 14, et un petit coffret Bayonetta 1 et 2. Donc ici la GameCube, bon, ça c'est le seul jeu japonais que j'ai, que j'avais acheté à Arpajon chez NetGames, chez Michel, mais je l'ai aussi en version européenne. Ta gueule. Alors là sur la première rangée, Spider-Man, Star Wars, Rogue Leader, Splinter Cell, Resident Evil, Coupe du Monde, on s'en fout, les Donkey Konga, les deux. Super Smash Bros Melee en édition, enfin c'est pas Platinum, je sais pas comment ils appellent ça déjà. Le choix des joueurs. Exclusif. Ouais, le choix des joueurs, ouais. Player choice quoi. Donc un James Bond Nightfire, Sonic Heroes, Sonic Adventure DX, Sonic Mega Collection. Ça celui-là il est vraiment pas mal. Top Gun, Peter Jackson King Kong. Alors, un Final Fantasy Crystal Chronicles. The Legend of Zelda, Wind Waker, mais on en a un autre hein, de Zelda, hein, mais qui est pas ici, qui est collector. Mario Kart, bon le classique, ouais, Mario Kart Double Dash. Et oui, mais t'as rien amené, t'as même pas amené le collector. Matrix Pitfall, encore un Sonic Adventure, mais disons, j'en ai des Sonic. Rocky. Ah, Rocky Balboa, Soul Calibur 2. Celui-là j'aime bien parce qu'on peut jouer avec Link. C'était la... enfin, chaque version de Soul Calibur 2 avait hein, sa spécificité. Bon, un petit Dragon Ball Z Budokai mais on l'a sur PS2. Mario Party 4. Super Mario Sunshine. Mario Party 6. Super Mutant Tortue Ninja. Voilà, Star Fox Adventures. Metroid Prime, Hulk, les Sims 2, on s'en fout, les 4 Fantastiques, Harry Potter, ça c'est quoi, Wario World, Shrek 2, Medal of Honor, on s'en fout, Starsky et Hutch, nanana, Starsky et Hutch, et la voix de Hutch, c'était la voix de Magnum. Eh oui. Beyond Good and Evil, très très bon jeu. Un James Bond, Hit to Double, Need for Speed, Baton Kaitos, un jeu aussi pas mal. Spyro, comme l'aspirateur. Rayman 3, Madagascar, ah, encore un Harry Potter. Ouais, bon, rien d'extraordinaire. Happy Potter, comme ils disent les Russes.
Si. Non, en russe on dit Gary Potter. Gary? Ouais. Non, on dit Gary Potter. N'importe quoi. D'ailleurs, c'est comme ça. Le... Oui. Alors, Metroid Prime 3. Ça, c'est quoi? Kirby au fil de l'aventure. Bon, là, il n'y a rien. Ouais, tennis. Bon, jeu de sport de merde. Bon, ça, c'est les jeux qu'on a en plusieurs versions. Alors, un jeu de bowling, ça peut être rigolo. Je dis que ça peut être rigolo parce que j'ai jamais essayé. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Oui, Fit, des chiffres et des lettres. Rayman contre les lapins crétins. NBA Jam, ça c'est pour moi un jeu culte. Super Mario All Stars. Ah, attends, trop de reflets. Ouais, là, c'est bon. Ah, Super Mario All-Stars, ça c'est bien. Il y a 4 jeux Super Mario dedans. Super Mario Bros, The Lost Levels, Super Mario 2 et Super Mario 3. Sur un seul Dix. C'est un seul DVD-disc. Alors je sais pas, le contenu de ce jeu est identique à la version Super Nintendo. Ah d'accord, c'est exactement les mêmes qu'il y a sur Super Nintendo, c'est super. Super Mario Galaxy 1 et 2. Donc j'ai les deux. Cool. Medal of Honor, on s'en fout. Mario Kart, oui. Resident Evil 4. Le Chaboté, on s'en fout. Marvel Star Wars 3, The Clone Wars. WarioWare. Il est en blister, celui-là? Ah ouais. Il est gardé en blister. Ah ouais, c'est celui que Marco t'a donné, non? Je sais pas, peut-être. Oui, il m'a même dit d'essayer. Ouais, non, c'était sur un autre support. Sur DS. Metroid, Other M, en blister. Super Smash Bros. Brawl, c'est pas facile à dire. Essayez chez vous, Punch Out. Il est sur Super Mario, voilà. Sur Super Smash Bros. Celui-là, génial. Metroid Prime Trilogy, dans son beau petit coffret. Nous, Super Mario Bros, qui est un très bon Super Mario Bros. Mario Striker, ouais, ça. Mario Party 9, Mario Party 8, Donkey Kong Country Returns, encore un 007, Sonic et le Chevalier Noir, Sonic Colors, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, The Legend of Zelda, Twilight Princess, The Legend of Zelda, Skyward Sword, ok, Sonic aux Jeux Olympiques, Pokémon Battle Revolution, Link, ça c'est un jeu d'arbalète, de tir, il faut le pistolet, ouais. Sonic and the Secret Rings, Sonic Rider. Beaucoup de Sonic. Hein. Ouais, beaucoup de Sonic, ouais, ben en plus, ouais, on n'aurait jamais pu imaginer à l'époque de la NES que Sonic puisse apparaître aussi souvent chez Nintendo. Bon, et derrière, c'est le second couteau. Tony Hawk, ça. Oh, quoi, il y avait un petit Alone in the Dark quand même. Un petit Alone in the Dark. Il y a tout seul dans le noir. Voilà, c'est ça, tout seul dans le noir. Ça fait peur, dans l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a? Le chimpanzé de l'espace. Tout ça, West Interville. Un peu rigolo ça. Alors des Call of, des FIFA, Zumba. Zumba. Ouais, laisse tomber Just Dance. Bon, c'est pas trop mon truc. C'était le kit, attention. Quoi, Jason Kidd? Just Dance Kidd. Ah, Jason Kidd. Et ensuite, là, on a quand même un petit coffret. De Sonic, encore une fois. Sonic, Sega All-Star Racing, avec les deux volants. Hein, en plutôt bon état, que j'avais acheté à Trader Games. Et, bon, et là, il y a des petits... Hop. Je sais pas si ça vous intéresse. Non, des Wii Party, c'est des trucs offerts en général dans les jeux, des démos, avec des jeux ou des consoles. C'est comme des démos. Wii Sport. Non, c'est des jeux complets. Ah bon? Ouais. Et là, dommage. Il y a celui-là qui est rigolo, Destroy All Humans. Que j'ai ramené de Paris, en blister. Où là, vous jouez en fait les rôles des extraterrestres et vous devez tuer des humains. C'est rigolo. C'est un jeu de... Et donc voilà, ici sur le côté de l'étagère, hein, vous avez tous les petits goodies, hein, voilà, hein, qu'on achète au fur et à mesure des visites de boutiques ou des fois par internet. Bon, quand c'est en promo, en général je les prends jamais au prix fort, hein, comme les PES, j'attends toujours qu'il y ait une promo pour acheter et faire des bonnes petites affaires. Et un petit peu de tout, voilà, des pièces de Monopoly, des
après c'était celui-là, Megaman. Ça c'est le genre de truc qu'on trouve à Jiffy. Bon, ça je l'avais vu dans la Mystery Box de Paris Games Week. Ah oui, ça j'aime bien. Voilà, des petits gadgets, voilà, ça c'est une balle anti-stress Pac-Man. Un petit Pac-Man, c'est rigolo. Un petit Sonic en pop également. Voilà, ça c'est ah, tiens, la montre que j'avais ramenée des États-Unis. Et là maintenant on va s'attaquer à nos consoles. Bon voilà, pendant qu'on fait la vidéo, hein. Ça doit faire un quart d'heure hein, qui dort. Donc ça c'est le décor que vous avez à chaque fois, enfin la plupart du temps sur nos vidéos. Donc en bas, vous retrouvez ma collection de magazines. Alors ça c'est des consoles plus, des Player One, des POC et des livres un peu plus récents. Hein, des bibles, des trucs comme ça. Là vous avez l'ampli où tout est centralisé au niveau du son, c'est-à-dire que toutes les consoles, avant de passer à la télé, le son passe par cet ampli. Et donc on a un petit son vraiment sympa. La NES, là vous reconnaissez la NES, plus la mini NES chinoise. Là vous voyez le pistolet à côté. La Famicom avec Dragon Ball. Là ici c'est un peu le foutoir. Là je range dans cette boîte à chaussures, je range les jeux Famicom. Là les cartes mémoire PlayStation. Là ici, bon, vous avez dans les tiroirs, vous avez les manettes Nintendo 64 GameCube. Là vous avez les manettes Nintendo et Mega Drive. Là-dessous, vous avez surtout. Bon, ça c'est manette Dreamcast. Et là vous avez essentiellement les manettes PlayStation. C'est vrai qu'on est un petit paquet. Et PlayStation 2. Alors je suis pas que fier de cette trouvaille là. C'était la manette DualShock 1, ouais, transparente. C'est marrant, elle est un peu jaune, mais j'ai trouvé une méthode pour les blanchir. Dès que j'ai le temps, je m'y attaque, évidemment. Oui, là ici, ouais, je sais, c'est pas super bien rangé. Les jeux Nintendo 64, Banjo-Tooie, NBA Jam, NBA Live, Mario Kart, Guild Wars, Zelda, NBA Hangtime, plus évidemment, on a le Mario normal, ainsi que Buster Move 2 ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors j'aime bien cette manette, la noire, parce qu'elle est de la même couleur que la console. Ouais, et ça c'est la grise qui était vendue avec. Donc. Alors ici la GameCube avec le lecteur Game Boy, Game Boy Player. Là ici, hop là, revenez. Là ici la Saturn. Bon, j'espère que vous n'êtes pas choqués par tous les fils qui passent, hein, parce que évidemment, comme je vous ai expliqué, j'ai pas beaucoup le temps de ranger, surtout quand on revient d'un événement. Ça c'est les deux seuls jeux que j'ai en japonais sur Saturn. Là j'ai deux manettes, dont la manette de Retrobeat qui fonctionne très bien, je pense que c'est plutôt celle-là. Bon, ça c'est manette d'époque aussi. Dans la Retrobeat, je lui ai laissé en boîte. Donc, hein. Au fond, vous voyez la dédicace de Wawa. Quand j'étais allé le voir sur son stand Outrun à Paris Games Week. La Mega Drive 1. La Mega Drive 2 avec Jordan versus Bird. Et au fond, si vous regardez, il y a une autre Mega Drive avec l'adaptateur Master System. Et puis j'ai gardé en dessous. Ça c'est le mien d'époque. Hein, on les trouvait dans les jouets club, c'était les petits prospectus Sega. Hein, voilà, où ils vous présentaient les différents jeux.
de la console. La Wii noire, donc ça c'était la nôtre, hein, celle de, enfin, celle de mes neveux en tout cas. La Xbox 360 noire. Là quelques accessoires, j'achète bien ce qu'on avait. C'est une manette pour Wii en forme de GameCube et en couleur de Mario. Là vous avez l'Atari 2600 avec un petit Pac-Man dessus, hein, et quelques jeux. Au fond, une illustration de mon ami Jean-Laurent Marcia. Là, une petite horloge, hein, aux couleurs de Space Invader. Ici, vous le reconnaissez, c'est Sonic qui porte la manette de la Master System 2 qui est là. La Dreamcast. Et puis ça tombe bien, j'ai 4 manettes sur la Dreamcast. Là, ici, on avait la Xbox One. Pas la One, la Une, vraiment, la toute première. La PS1 avec le pistolet. Hein, le... Et des manettes, voilà. Manettes DualShock. Ici, alors purée, plus de lumière. La PS2 Blue et la PS2 Slim modifiée, donc ça là il peut y avoir les jeux japonais. Ici la PS3, voilà, si vous voyez à travers le fil, PS3 Slim avec sa manette rouge, la PC Engine avec son lecteur CD-ROM et l'Ever Drive pour pouvoir jouer à tous les jeux de la PC Engine. Et en dessous, vous avez surtout, c'est un tiroir où il y a les manettes pour Xbox. Là, vous avez les jeux Atari. Voilà, et en dessous, il y a encore quelques jeux. Voilà. Là, ici, dans ces pochettes-là, j'ai des jeux en loose ou des copies. Et derrière, comme vous voyez, il y a des PLV qui traînent. Je ne sais plus où les mettre. J'ai des PLV qui traînent derrière, voilà. Ah, c'est Luigi's Mansion 3. Quoi ? Oh, à l'envers. Oui, à l'envers, oui. Merci, heureusement que t'es là. En haut. En haut, au-dessus, vous avez un peu tout ce que j'ai en boîte, donc... pas grand-chose, hein, mais DS. La PS1 Mini. La NES Mini avec la manette Mini. Avec la Super Nintendo Mini, la Dreamcast normale, parce qu'elle n'est pas sortie en mini. La Wii, alors dedans, il y a une Wii complète. Des packs Skylanders de démarrage, je vois pas. Ça, c'est le pistolet Wii. En haut, vous avez les hubs USB Sega. Qu'est-ce qu'il y a, je dis ça ? Ouais, Genesis, Sega, bref. Une PS2 en boîte. J'ai vu au vide-grenier. Encore une DS en boîte. La Mega Drive Mini, la vraie, la Sega, l'officielle. La Xbox 360, donc j'ai eu en boîte. Merci Audrey, ma cousine. La boîte de la PS4 qui est là. Elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans cette chambre. Mais elle est dans la collection quand même. L'Atari 2600, ça c'est la noire, c'est celle qu'on met à disposition dans les événements. Donc là sur la dernière étagère, ça filme, ça enregistre ? Ah, ça enregistre. Alors ici, là j'ai voulu faire un petit espace Mario Kart, hein, comme vous voyez. Avec... pourquoi j'ai mis Super Mario 64 ? Ah oui, je confondu, je voulais mettre Super Mario Kart, j'ai mis 64. Je me suis trompé. Mario Kart que j'ai rentré il y a pas longtemps, Super Circuit sur Game Boy Advance, Mario Kart DS, le Super Mario Kart sur SN, Super Nintendo, le Mario Kart Wii, enfin le kit. Qui n'est pas dans la boîte, hein, il est dispatché. Ouais, des petites figurines, ouais, ça c'est des petites figurines récupérées sur les vide-greniers, tout ça. Plus ça que j'avais trouvé à Jouer Club. Le 1000 bornes Mario Kart. Et derrière, attends, j'ai enlevé ça. Derrière, vous avez le circuit. Enfin, un des circuits Mario Kart, parce qu'il y en a des plus grands. Hein. Ça c'est le circuit en 8, le plus simple. Mais il y en a des plus.
plus élaboré que celui-là. Là, ici, des petits porte-clés. Ah, celui-là, j'aime bien, le Grand Tourisme. Ah, pas courant. Les petits porte-clés Sega. Ensuite, on va à l'étage en dessous. Là, vous avez un peu les consoles portables. Bon, là, il y a les casquettes, voilà. PS, le truc de Link. On fout. Ça, vous l'avez vu, ça, la tasse spéciale Donkey Kong. C'est marrant, ça. Donc, en dessous, la Lynx. L'Atari Lynx, donc c'était la portable d'Atari avec quelques jeux. Donc ça c'est la grande Miss Pac-Man, Chips, Arlor, Electrocop, Gauntlet, California Games. Ah, là il y a un petit jeu PC Engine qui traîne, c'est Doraemon. Et le System Card pour jouer sur le CD-ROM. Ça c'est un jeu bon, unique, Engage. Je sais pas si vous avez connu, c'était plutôt un téléphone qu'une console, mais vous avez les deux, Puzzle Bobble versus. Et donc la fameuse Lynx. Attendant, ça c'est mes différentes PSP. La portable de Sony, donc j'en ai une. Une Silver. Une Silver. Une noire. Et une autre noire plus épaisse. C'est ça la tienne ? Ouais. Peut-être. Je pense. Oui, parce qu'il y en a une qui est modifiée avec plein de jeux en ROM, ça. Japonais. Voilà, des jeux PSP, bon, tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a le petit Gradius, que j'aime bien, le Gradius Collection. Là, vous avez des jeux. Ça c'est sur comment elle s'appelle, la Vita, PS Vita, j'ai pas la console, mais en attendant j'ai quand même quelques jeux en loose comme ça. Enfin c'est aussi des jeux, pas des démos, des jeux complets, mais plutôt preskit quoi. Voilà. Là le seul jeu que j'ai de CDI, c'est le tennis. Mais j'ai pas la jaquette, International Tennis Open. Je l'avais eu pour pas trop cher, il était même pas 2€ chez Momox. Un jeu Lynx en boîte mais qui avait été ouvert par la douane. Je le garde quand même. Un jeu sur Atari 5200. Ouais, je n'ai pas la console malheureusement. Mais c'est celui qu'on a trouvé dans le désert aux États-Unis. Non, c'est pas vrai, c'était évidemment de la mise en scène. Donc ça c'est mes Alim. Ah bon? Non, c'était vrai alors. Il y a des films derrière. Alors, ah oui. C'est un film mettre sur PSP. Voilà, c'est les UMD vidéo, exactement Antoine, merci. Donc il y a un peu de tout. Voilà, il y a SOS Santo, je suis pas peu fier de l'avoir. L'enquête corse, hein. Pas commun non plus. Voilà, avec il y a plusieurs amis qui jouent à l'intérieur de ce film. Et bon, ils sont derrière, après bon, je vais pas vous montrer le détail. Ça c'est des... toujours des PSP, voilà, il y a quelques UMD vidéos, il y a quelques films, voilà. Ça c'est les films en loose ou les jeux en loose. Voilà, bon, pour cet étage là, voilà, ça c'était pour le côté portable, même s'il y avait quelques cartouches et jeux pour uniques, on va dire, pour console non portable de salon. En dessous, on arrive à la PS3 et un peu de PS4. Alors voilà, c'est un peu rangé n'importe comment. Ça c'est les action replay pour la PS2. Bon, ça c'était les tickets de PS3 pour les PlayStation Network Cards. C'était justement pour... C'est pour mettre l'argent virtuel en argent... Enfin non, l'argent réel en argent virtuel, voilà. Comme aujourd'hui c'était, avec la PS4. Hein. C'était les premières cartes, ça se présentait comme ça, quasiment sur un format de jeu quoi. Comme une carte PSN aujourd'hui. Voilà. Alors ça c'est des jeux PC Engine CD-ROM. Donc vous avez Cobra, Radman Demi et Dragon Ball Z. Hein, comme vous voyez, ce sont des jeux inspirés manga. C'est tout ce que j'ai en CD-ROM. Alors Ghostbusters, c'est pas le dernier qui est sorti. Hein. Celui-là c'est le moins bon des deux en fait. Resident Evil 7. Sur VR. En VR, exactement. New Gundam Breaker, vous l'avez jamais essayé celui-là ? J'ai ramené des États-Unis. Non, pas mal. Alors Street Fighter. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Street Com 2, Doom. Final Fantasy. Fantasy 12.
Shenmue 1 et 2. Et Guilty Gear X, non, X Heard, Révélateur. Voilà, ça c'est pour la PS4. Et après tout le reste c'est de la PS3. Alors en original, on a format un peu original, c'est celui-là, le Super Street Fighter 4. Sinon, voilà, c'est du classique. C'est du classique. Je pense pas avoir de jeux vraiment extraordinaires. Alors ça, c'est que des jeux licence connue ou qui me plaisent, on va dire. Les jeux qu'on joue plus souvent. Ouais. Alors là, vous avez deux Senseiya, par exemple. Bon, celui-là, on y joue pas souvent, il est sous blister. Non, mais Senseiya, c'est long à finir. Ouais, là, surtout... Surtout que voilà, c'est des jeux un peu à rallonge, quoi, ça parle trop, je trouve. Tous sur PS4. Des Street Fighter. Le Guilty Gear, le même que sur PS4, mais en version PS3. Alors là, c'est deux jeux japonais, c'est des jeux Gundam Breaker. Comme sur PS4. Exactement. Il y a Resident Evil, un Epic Mickey qui est sympa aussi. Le Retour des héros. Harry Potter. Gary Potter. Un Metal Gear Solid, ça c'est une compilation de jeux rajoutés. Trois jeux. Voilà, Mortal Kombat, voilà, parce que je suis fan de Mortal Kombat. Score. Alors Red Dead Redemption, j'en ai deux, là, ils sont là. Un événement zombie et un autre événement normal. Voilà. Dead or Alive, Injustice, Vanquish. T'as vu avec l'hologramme. Ouais, voilà. Bien, mais ouais. J'aime bien. Donc Darksiders, Bayonetta, Resident Evil 5. Oh, ah non, c'était le 6. Wipeout, Turok, Prince of Persia, Golden Axe. C'était marrant de le retrouver sur cette console. Moi qui étais très très fan de la version Mega Drive. Soul Calibur 4. Et Metal Gear Solid 4. Et bon, et il y a plein d'autres jeux derrière, comme vous voyez. Alors, on va pas les sortir. Un par un. Non, s'il te plaît. Là, on va passer. Bon, ça, c'est quelques jeux en loose. Le dance. Ouais, on s'en fout. Alors, ça, c'est une version boîte de Hitman. Tu veux prendre la chaise? Prends la chaise. Version boîte big box, on va dire, de Hitman. Il n'y a rien de spécial dedans, je crois qu'il y a un petit artbook, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a en plus. Original sur Xbox 360, on a ça aussi. Hein, un collector spécial édition de Street Fighter 4, c'est ça? Non, Street Fighter X Tekken, pardon. Il sait même pas ce qu'il a dans sa collection. Voilà, tout ça c'est les jeux Xbox 360 que j'ai. Pareil, c'est des licences connues, on va dire. Je suis pas grand fan de cette console, mais j'ai pris les jeux qui me parlent le plus. Encore Mortal Kombat, encore Epic Mickey, Ninja Gaiden, Sonic Generation. Alors Sonic Generation, je l'ai deux fois. Je l'ai en version Xbox One, il est là. Alors sur Xbox One, j'ai Killer Instinct. Donc Sonic Generation, PES 2015 et Batman. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que celui-là il avait l'originalité d'être compatible avec les deux consoles, Xbox One et Xbox 360. Mais ça aurait déjà essayé. Ouais. Sur PC. Et il est pas mal. Oui. Et ça, ah, j'ai aussi Tomb Raider que j'avais eu à la Fnac pour vraiment pas cher. Rise of the Tomb Raider. Là donc les jeux Xbox, la première Xbox. Pareil, des licences connues, donc du coup. Il n'y a peut-être rien d'extraordinaire. Je m'y connais pas assez moi en Xbox pour savoir quels étaient vraiment les jeux phares de cette console. Bon, j'y joue pas assez et je sais pas si demain je vais y jouer. Enfin, ça nous intéresse pas. Surtout que maintenant ils vont faire que sur internet. Alors... Ah ouais. Ensuite là c'est les jeux PC. Bon, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent d'original? Peut-être les jeux des guignols. Voilà, ça c'est tout ce qui est pas en big box, quoi. Des jeux PC. Ah non, ça c'est des jeux DVD. En fait, voilà, vous jouez directement sur DVD. Donc il y a Colanta. Donc c'est des DVD interactifs, on va dire. Hein, donc utiliser les fonctions de menu et compagnie, des DVD.
donc pour pouvoir évoluer dans le jeu. Après en PC, voilà, j'ai rien de... Il y a peut-être ça, Dreamcast Collection, qui est marrant. Collection de jeux Dreamcast sur PC. Ah, je sais plus avec qui on en parlait, ça, Worms 4 AM. Mais c'était avec Marco qu'on en parlait l'autre jour. Parce qu'il paraît qu'il y a eu un jeu Worms, Sega Classic Collection Mega Drive. Et puis des jeux Sonic. Sonic R, Sonic 3D. Sega Rally qui tourne très très bien. On a essayé, je crois. Ouais, on l'avait essayé. Ouais. Pac-Man World également. Battlefield 2. Bof. Ouais, bof. Escape from the Monkey Island. Et un Street Fighter 4. Le même, on dirait le même que sur PS3. Ouais. Tu as pas tort. Toy Story 2. Celui-là est bien. Celui-là est pas mal. Si, ou alors c'était le 3 qu'on avait essayé plutôt. Bah, moi quand j'étais petit, j'avais joué à Toy Story. Mais oui, mais je crois que c'était le 3. On n'arrêtait pas d'y jouer. Bah, en fait, je crois que c'était le. On jouait à ça et à Village de Glace, voilà. Ouais. Et pour finir, là en bas, vous avez fait tout ce qui est DVD. Et cassette vidéo, tout ce qui est en rapport un peu avec les jeux vidéo. Hein, donc vous avez des séries quoi. Ouais, Silent Hill qui est un très très bon film. Des dessins animés Megaman, Fatal Fury. Alors ça c'est un documentaire sur Mario, Megaman. Là vous avez bon Albator. Ça c'est double horreur. Double horreur. Volume 1, volume 2. Mais rien que la jaquette ça donne pas envie franchement. Enfin, je les ai pris vraiment pour la collection, c'est tout. Hein. Rayman, deux épisodes, ouais je sais pas, c'est pas terrible. Les adaptations en série c'est un peu. Un peu quand même. Et Super Mario. Aussi un peu nul. J'ai pas tout regardé. Il y avait des moments où ça c'est des passages en live, c'est-à-dire avec des acteurs en live. Sonic, ah, c'est bien, des fois. Sonic X, c'est quoi ça, la course de Noël. Après ça, qu'est-ce que c'est, joueur du grenier, Mortal Kombat, destruction finale, c'est pas le premier, hein. Lara Croft, après j'ai des Final Fantasy Pixel, Resident Evil, Final Fantasy Double Dragon, mais ça c'est vraiment le film, quoi, le film. Encore un Tomb Raider. La cassette Donkey Kong Country, hein, de Nintendo, ça va, est assez recherché aussi. Ça avait d'époque, il était vendu avec un magazine. Alors ça c'est une série live, Mortal Kombat Conquest. Street Fighter 2, un manga, Mortal Kombat, donc le fameux avec Christophe Lambert, Tekken. Tu vas leur donner la gerbe. Je sais que c'est dur, hein, donc, comme ça, Double Dragon, donc cette vidéo, Mortal Kombat en dessin animé, et Street Fighter 2. En VHS. Voilà, ça c'est. On a fini le tour des VHS. Une petite déco que j'avais faite moi-même. Avec un petit pêle-mêle acheté chez Jiffy normalement pour des photos. Là j'ai collé le jeu Flashback. Un personnage en pixel art. Une carte postale. Et une autre carte postale autographiée, je sais pas si vous voyez bien, par Paul Cuisset. Donc l'auteur du jeu que j'avais rencontré à la Star Japan Expo. Là ici un câble 3D, un truc classique. En console mini, Neo Geo Mini. Et là en fait vous avez, c'est pas des consoles mini, c'est des bornes d'arcade mini. Donc la Pac-Man, l'Atari, manette Atari, Space Invaders. Tetris. Mini arcade. En fait, Space Invaders, c'est une lampe, c'est pas une borne d'arcade. Et en gros, c'est Astéroïde, je pense que c'est. Astéroïde, bah, c'est aussi une mini borne d'arcade que j'ai jamais ouvert. Et toujours dans le blister. Là, les pins. Notre petite collection de pins. Et à côté, le bouclier de Zelda. Et le bouclier de Zelda. Ah. Et
On a quasiment fini le tour de la gaming room. Là après en bas je vous montre mais vite fait mais c'est le bordel. En fait je dois ranger tous ces sacs où il y a surtout des câbles et des trucs voilà, qu'on a ramené de la journée rétro gaming. De la dernière journée, non, ouais. Dernier événement, oui, Retro Gaming Days. Et les joyaux de la collection sont sur le lit. Ce sont. Non, c'est pas toi. Ce sont les Neo Geo. Le Neo Geo, donc la vraie. La fausse. Et non, la maison. Le Neo Geo maison. Neo Geo X. Qu'on a fabriqué avec l'intégralité des jeux à l'intérieur. Et celle-ci renferme un seul jeu. Un petit King of Fighter 94. Voilà, donc. Oups, voilà. Donc voilà, ça a été un petit peu long, hein, voilà. Vous voyez pour une fois l'envers du décor. Hein, normalement la caméra elle est placée là où il y a Alexandre. Elle est placée là. C'est pour ça que vous ne voyez jamais le lit et que vous nous voyez des fois jeter ce qu'on achète. En fait on le jette à chaque fois sur le lit, c'est pas jeté par terre. Hein, évidemment. Donc, ouais, des fois ça peut tomber. Enfin, des fois ça tombe par terre, oui. C'est vrai. Donc voilà, c'était un petit peu long. J'ai essayé vraiment de pas tout vous montrer. Parce que vraiment, je pourrais vous montrer le détail des magazines, le détail des moindres boîtes et des moindres caisses. Wow, reviens. C'est toi ça, Alexandre? Peut-être avec mon pied. Ah, avec ton pied. Il est content. Il est content. Il est rencontre de ses pieds. Donc merci, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Encore une bonne année 2020. Alors j'espère qu'elle sera marquée par plein de bonnes surprises. Hein, encore de belles rencontres.